plaisir d'avoir la visite que vous nous rendez sous un éclatant soleil breton, comme vous pouvez remarquer. Sous un éclatant soleil breton, alors nous vous rendons notre soleil pour votre soleil. Je laisse traduire. Herr Sartre begrüßt uns recht herzlich hier in Plemet und er sagt, dass er versucht, den schönen Sonnenschein, den wir in Karlsruhe hatten, hier zu finden. Vous devez d'ailleurs être très content, parce que hier il tombait des cordes. Nous vous avons fait une grâce en quelque sorte, en vous accueillant avec de la petite pluie. Während es gestern hier noch in Strömen geregnet hat, hat sie das Wetter sehr verbessert. Et je vais vous expliquer pourquoi il ne fait pas beau. C'est parce qu'il nous a fallu tout le soleil dont nous avions besoin. Nous l'avons déjà commandé et déjà obtenu pour notre fête de dimanche dernier. Notre fête, à Toussaint, voyez-vous, il fait beau en Bretagne. Er meint, dass es wieder sich noch machen wird, dass es schön wird. Traduisez! Also, Herr Sartre meint, dass wir uns heute Abend etwas kurz fassen müssen, jetzt weil wir etwas spät dran sind. Wir hätten den Tourismus gemacht. Es war. Monsieur le Directeur, cher Monsieur Sartre, Monsieur moi, cher collègue et cher ami. J'ai préparé quelque chose. Je vous remercie bien de cet accueil chaleureux et amical. Nous sommes bien contents d'être arrivés ici pour revoir tous nos amis. Après un long voyage, je suis désolé que nous arrivons si tard, mais personne n'était perdu cette fois. Vous pouvez nous pardonner. J'espère que nous allons passer ensemble quelques journées pleines d'impressions nouvelles et intéressantes. Nous nous réjouissons d'avance de ces jours à Plemet et nous vous remercions pour votre hospitalité. Merci. Thank you.
Besorgt, Herr. Die zweite Zugbrücke ist viel stärker als die erste. Ja, ich weiß. Thank you.
Ich habe
Missing you.
Auf Werner! Oh, ich würde mich nicht draufsetzen, ne? wenn die Kuh an den elektrischen Draht kommt, kriegst du auf den Schlag. Du, das macht er jeden Mittag, du, das braucht er. Was? Auf Werner, schnell! Au! Ich muss sehr romantisch gewesen sein. Schau mal, der legt jetzt die Ohren an. Muss ich da alle? Il est très malade, hein? C'est la belle de Boscop. Oui, c'est la. Non, c'est pas de la belle de Boscop, c'est la reine du Canada. J'étais prêt à lever une vache à la midi franco-allemande. Ce matin, j'ai levé un bol de café. Tu veux servir les gâteaux ou que chacun prenne? Non, c'est la maman. C'est la maman pour Michael. Freundschaft. Also zum dritten Mal, es lebe die deutsch-französische Freundschaft und danke für euren Besuch in Plymouth. Jusqu'à présent, familiarisés avec les échanges d'adolescents. Nous recevions des groupes d'adolescents, qu'ils soient anglais, allemands, voire espagnols,
Et d'une commune comme Plémé, 3400 habitants, et d'une commune et d'une ville comme Karlsruhe, 300 000 habitants, ne sont pas comparables. Mais j'espère que vous serez indulgents et qu'à travers ce que vous avez vu dans votre périple dans le département, vous aurez compris le pays, des souvenirs très modestes et qui vient du cœur. Vous, Monsieur le Président, et pour m'excuser vous avoir fait travailler, et eu regard en plus au charme que monsieur le directeur tout à l'heure évoquait, là aussi une petite coupée. It's a dream.